Allez-vous, on est là sur France 2 pour s'amuser, pour faire du bien et pour chanter avec Sophia et Saïdi et Harry Habitant. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Elle est belle. Bonsoir. Il est beau. Il vient d'être élu couple de l'année, messieurs, dames. Eh ouais. Ah ouais. C'est officiel. C'est officiel, ça y est. C'est officiel. Les souffles de l'espoir. Vous courez des fois, vous ne savez pas pourquoi. Et bien là, cette association, c'est exactement pourquoi le souffle compte, puisque c'est pour aider les enfants atteints de mucoviscidose et qui ont des problèmes justement pour respirer. Et cette association va profiter du talent et de la voix de Sophie et de la beauté de Sophia et Saïdi et d'Harry Habitant. Merci d'être là en tout cas. Je vous en prie, avec plaisir. Vous, ravis. Regardez les thèmes et les chansons qui vous attendent. Il y a Pour un infidèle, Les Michel, Je l'aime le lundi, Candice des années 70, Lara Fabian, Signé Gainsbourg, Comment te dire adieu, Rentrer ou sortir, Barbardo, pour gagner quoi? De 250 euros jusqu'à... Il y a des jokers, évidemment, il y a les bonus et les malus. Alors le principe, Sophia, du bonus et du malus, c'est que quelque part, il y a un thème qui vous fait reculer, le malus, et un autre qui vous fait progresser, qui est le bonus. Voilà. D'accord. Mais tu ne le vois pas, et à la maison, évidemment, tout le monde le voit. Pour 250 euros, qu'est-ce qui vous inspire? Non, Lara Fabian, on laisse un peu, parce que je connais un petit peu. Ah, donc okay. on laisse pour après. Ok, d'accord. Oui, alors. Commence. Oh là là. Oh, mais les Michel, il y en a. C'est pour un infidèle, c'est quoi ça? Ah, ça c'est pour Nagui et moi. C'est... Oh non. C'est un truc. Non, oh, non, t'as pas le droit. C'est un truc spécial. Non, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh ben, débarrasse-toi tout de suite. C'est exactement. Et il a raison. Pour un infidèle. On va se débarrasser des infidèles. Tiens, allez. Allons-y. Ah, très bien, c'est malus. Donc vous chantez pour 250 euros. Vous avez le choix entre Hélène Segarra, Il y a trop de gens qui t'aiment, ou D'aventure en aventure de Serge Lama. Que voulez-vous? Est-ce que tu voulais? Est-ce que tu connais D'aventure en aventure par cœur? Je la connais, mais pas par cœur, je la connais. Toi, tu la connais par cœur, Hélène Segarra? Pas par cœur, mais je pense que je la connais un petit peu. Mais j'ai peur de prendre ça sur mes épaules maintenant tout de suite. Ah bah tu vas prendre ça sur tes épaules, bien comme il faut, hein, ma petite. Ok, on est parti. Alors là, je peux te dire... On est parti. Et puis c'est bien, vous êtes là pour faire passer un message d'amour. Avec les souffles de l'espoir, donc c'est parfait. Il va y avoir deux mots, c'est écrit là, deux mots à retrouver pour passer les fêtes sur France 2 et pour faire du bien. Sophia et Harry, faites du bruit pour 250 euros. Je te regarde parler avec les gens. C'est magnifique. Ah, c'est beau. Tu me sens si léger, même transparent. Passer les jours. Moi, je la regardais chanter, moi. La vie en me disant. Je ne cherche pas l'amour, je m'y attends. Je te regarde t'amuser et je fais semblant. Yes. Mais je ne veux pas t'empêcher. De grands gestes, tu as l'air si content. Tu vois, des fois je déteste ce que je ressens. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne cet amour. Toi, il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne vois même pas. C'est à cause de toi, Héna, chaque jour. Mais on s'en fout, on a gagné, on s'en fout, on a gagné. Bravo! Ouais. Génial! La 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 la. On avait peur de partir à la première, la c'est pour vie, ça. La vie entière n'est pas une bar mitzvah, calme-toi. J'ai envie de chanter tout le temps, cette émission. Calme-toi. Et heureusement que Sophia est là. Oui, non, mais c'était, je l'avais aussi, hein, bien sûr. On bloque ou on bloque pas? Ah, bah c'est toi, tout est sur tes épaules. Hein. On a dit. Oui, toute ma vie sera sur tes épaules. Alors à partir de maintenant. Je bloque les paroles. Oh, yes.
J'aime bien qu'une femme de poigne décide de ta vie un oui, peu, Larry. Mais oui, c'est bien. Mais moi, je suis complètement. Ça peut-tu faire du bien dans la vie, tu sais? Oui, complètement. Moi, je suis d'accord. Ça me fait du bien. Pour 250€, est-ce que ce sont les bonnes paroles avec toi, Sophia et Harry? Oui. Ça va. On se calme. Avec à chaque bonne parole, ils veulent embrasser. Alors là, vous êtes tranquille, il n'y a plus de malus, vous ne risquez rien. Donc allez-y, choisissez ce que vous voulez, où vous voulez. Bah, c'est toi qui choisis là. J'ai fait le premier, tu fais le deuxième. On va prendre Signé Gainsbourg. D'accord, Signé Gainsbourg. C'est bonus, très bien. Poupée de cire, poupée de son de France Gall ou le poinçonneur des lilas de Serge Gainsbourg. Il a signé poupée de cire, poupée de son pour France Gall. Il a évidemment signé et chanté le poinçonneur des lilas. Laquelle des deux vous inspire? Moi, je vais prendre, je sais pas ce que t'en penses. Choisis. Le poinçonneur des lilas. Mais non, sérieux, tu connais les paroles. Je ne connais pas les paroles. Ah, mais c'est pas grave. Ok, c'est sur tes épaules. C'est pas grave, on va. C'est sur tes épaules. On va. Si, c'est... moi j'aime bien le poinçonneur des lilas. Ça ne m'étonne pas. Harry, qui est surnommé le poinçonneur de la rue de Van, va chanter donc le poinçonneur des lilas. Harry, c'est sur tes épaules cette fois-ci. C'est extraordinaire. Donc on va tout régler ce soir. C'est génial. Ouais, vas-y. Allez, on y va, Gérard, viens là, tout le monde. Venez. Allez, venez, les gars. Venez. Il fait chaud, hein. Il fait chaud. Super chaud, là, ouais. C'est quand même incroyable, hein. C'est fou, hein. Poinçonneur des lilas, est-ce que tu es d'accord, Sophia? On y va là-dessus? Bah, il le prend sur ses épaules, mais je oui, ne connais pas sûr. Les paroles de cette chanson. Je me souviens allons-y. De quelques okay. paroles. Magali est prête à l'accordéon. 1 000 € en jeu de petits mots à trouver. Faites du bruit. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise mais qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits de mes derniers gestes. Et dans ce bouquin, y a écrit que les casse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais les oies au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de ce métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Rabbi Jacob. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous. C'est solide ou pas? Je suis le poinçonneur des lilas, un valise changé à opéra. Pour un valide, changé à opéra. Ben, de toute façon, j'ai travaillé à la RATP, c'est ça. Donc, c'est sûr et certain. J'ai pas besoin de connaître les paroles. Pour un valide, changé à opéra, c'est tout. Ça, y a aucun problème. Hein. Sophia, tu confirmes, vous bloquez les paroles ou pas? Moi, je pense. Ouais. Hein? Je pense qu'on peut bloquer. Hein. Oui, bien sûr, évidemment, bloquons. On bloque les paroles. Ah. Très bien. Pour un valide, changé à opéra, est-ce qu'il y a 1 000 € pour les souffles de l'espoir? Association défendue par Sophia et Saïdi à Réhabitant. Bravo à toi. Il faut rappeler que vous avez 4 jokers. Le premier vous permet de changer de chanson une fois que vous en avez essayé une dans une catégorie. Si vous avez un doute, vous revenez sur l'autre. L'autre joker, vous pouvez appeler ou Elodie ou Jimmy qui sont là. Merci Elodie. Oui, merci, salut Elodie, salut Jimmy, ça va? Ils sont géniaux. Jimmy, vous avez gagné combien en venant dans cette émission? J'ai gagné 20 000 euros. 20 000 euros. C'est génial. 20 000 euros pour Jimmy. Et Elodie, combien vous avez gagné? 55 000 euros. Et ils sont venus pour les rendre. C'est ça. Non. En tout cas, ils sont venus bénévolement pour aider nos invités, nos artistes à récolter le plus d'argent possible pour les associations, dont les Souffles de l'Espoir maintenant. 2 mots, je vais aller au bout. Et enfin, les 3 phrases où il y aura forcément la bonne réponse planquée au milieu de 2 mauvaises. Alors, vas-y, moi, qu'est-ce que tu sens, Sophia? On va prendre rentrer ou sortir. Allez, rentrer ou sortir. Rentrer ou sortir. Très excitant. Oui. Rentrer ou sortir, voilà. Il ne rentre pas ce soir, Eddy Mitchell, ou si je m'en sors, Julie Zenati. Ouais, tu penses que tu connais bien Zenati? Je la connais bien, mais si tu la connais vraiment bien, on prend non, la première. Moi je la connais si je m'en sors, mais après j'ai peur de ne pas connaître juste les mots qui tombent, tu vois. Et après tu m'en voudras, on se parlera Mitchell, plus, on va s'acheter, tout ça. Tu la connais un peu, Eddy Mitchell? Non. Pas du tout? Si, sûrement, mais pas les paroles. Tu connais Eddy Mitchell? Je connais Eddy Mitchell. D'accord, bon. Point commun avec Sophia.
comédien et chanteur, comédienne et chanteuse. Eh oui, c'est juste. J'attends un album pour pouvoir dire la même chose de toi. Mais il est arrivé. Bah, il est arrivé. Tu as un album. Il est sorti dans tout le Maghreb. Comment ça? Mais évidemment, tu sais très bien, Nagui, tu es venu me voir dans ton pays natal, en Égypte, où j'avais chanté une chanson de Farid Arlotrech qui s'appelle Wayek, et qu'on chantait comme ça. Wayek, Wayek, les dounia chilwa wayek. C'est un malade. Fais sa fac, wigafet, aïna radia habibi birida. Mais c'est très 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 dur en plus ce que tu fais là, c'est terriblement dur. Tika nid, nid, umma thurrah, umma thurrah, waya, waya. Très très belle version de Danse avec les Arabes de Sofia El Saïdi dans cette émission. C'est énorme. Alors, il ne rentre pas ce soir ou si je m'en sors. Si on peut revenir aux fondamentaux. Aux fondamentaux. Tu veux Zenati, hein? Allez, Zenati, ok. Allez, on y va. Zenati. Parce que je la connais pas du tout. 5 mots pour 2500 euros. Les paroles de cette chanson, mais on ne connaît pas. Yalla, allez, mais c'est parti. Faites du oui pour Sofia El Saïdi. Je suis le fruit d'une blessure, le souffle d'un trop long combat. Dans le silence sans injure, j'ai grandi dans des draps de soie. Je suis née sans éclaboussure, regardez-moi, rien ne se voit. Je n'en saurai jamais trop sûr, de vous à moi. Je ne sais pas. Et si je m'en sors, semble au corps être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin. En s'emballer contre un drôle de destin. Je ne connais pas le plus dur, je n'ai pas vraiment de blessure. Sans vous, je n'existerai pas. Sans vous, je ne me connais pas. Le nombre de mots correspond, en tout cas. En tout cas, ça correspond. La beauté de l'interprétation est essentielle à souligner. Si on a perdu, merci, t'as 50 Sophia, euros. Ah, ouais. Vraiment. Ah, vraiment, super. Qu'est-ce que c'est bien. C'est magnifique. Alors, est-ce que vous bloquez ces paroles? Parce que, attention, si c'est pas ça, vous retombez à zéro. Mais si tu es sûr de toi, vous avez... Par contre, je ne prendrai évidemment pas du tout la responsabilité de bloquer quoi que ce soit. Je ne me connais pas. Voilà, tu peux la chanter jusqu'à demain, c'est mais ça. Il faut dire à un moment donné le truc. Moi, je pense que je peux bloquer. Ok. Est-ce que tu bloques? De toute manière, je ne connais pas. J'ai aucune information sur ce dossier. J'adore la prudence avec laquelle elle utilise le mot bloc sans dire la phrase. Oui, elle a dit cloque. Je cloque les paroles. Ouais, je bon. Cloque. Non, on a dit je cloque. Non, cloque, c'est pas bloc. C'est on pas pareil. Comment je t'ai eu? Attends, c'est génial. Et on te l'a jamais faite, celle-là. Hein, jamais, hein. Il en a enregistré 5000. Je cloque les paroles, t'as fait stanadin. Eh ben non, pas du tout. Tu sais quoi? Moi, je vais le dire. Je bloque les paroles. Ok. Okay. Parfait. Eh ben moi aussi, je le dis. Ana mohakl les paroles. Voilà. Je ne me connais pas. Est-ce que pour 2500 euros, ces 5 mots sont les bons au bon endroit ou est-ce que c'était plus loin dans la chanson? C'est possible, c'est possible. Ah, c'est possible, elle a dit maintenant. C'est possible, c'est possible. Oh, on va bien.
J'espère que vous avez remarqué tous, quand Sophia est heureuse, elle fait... C'est... Non mais ça c'est juste pour les paroles, j'imagine, pour quelque chose de plus... Tu sais, qu'on la, surnomme le bassin parisien, tellement... Les Michel, Candice des années 70, Je l'aime le lundi, Lara Fabian, Comme on te dit radio, Barbardo. Ok, les Michel alors. Les Michel. Ouais. Pour 5000 euros, être une femme, Michel Sardou ou Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur. Les Moulins de mon cœur. Hein. Les Moulins de mon cœur. Ouais, Les Moulins de mon cœur. Allez, on y va, c'est parti. Les Moulins de mon cœur. 5000 euros, 6 mots. Oh, pas 6000 mots. 6000 mots à découvrir. Voilà, donc 6000 mots à découvrir. C'est des émissions. C'est super. Les mecs, ils veulent pas donner l'argent. Donc, donc en fait, vous voulez rien donner, hein. 6000 mots, voilà. Et 7000 chansons à connaître par cœur. Voilà, et si vous gagnez ça, vous gagnez 100 euros. C'est génial. Et un dictionnaire, voilà. Donc autrement dit, personne n'aura jamais gagné quoi que ce soit à ce jeu, Nagui. 6 mots, 5000 euros, je vais être intégré dans un asile. Après aussi, cette émission, c'est Sophia et c'est Harry pour les souffles de l'espoir avec besoin de respirer, besoin du vent, ça tombe bien avec les moulins de mon cœur. Allez, faites du bruit, c'est parti. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde qui font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Ou les mots d'une rengaine. Ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Non. En même temps, ça s'invente pas une phrase comme ça. Donc si elle t'est venue, je sais pas. C'est... Ouais, mais c'est un truc qui me vient. Oui, non, pris dans les harpes du vent, il y a vent, il y a Sophia, pris. Ça te dit quelque chose? Mais les harpes, j'ai juste un doute sur les harpes. C'est juste les harpes du vent. Ouais. Ah. Est-ce qu'on peut. Vérifier harpe? Ouais. Avec les deux mots? Avec un joker, ouais. D'accord, très bien, les voici les deux mots. C'est tout. C'est plus prudent, tu as raison. Donc le numéro 4 sur. Ok. Pour le 4, ouais, évidemment. Oh, joli. Oh ben voilà. Joli. On aurait dû le garder, tu vois. On n'aurait pas dû le prendre. En même temps, c'est prudent. Il faut que tu te fasses plus confiance, tu vois. On aurait pas dû est-ce qu'il y a un autre joker. Piège ailleurs, par contre? Oui, mais c'est pas grave. Oui, peut-être qu'il y a un autre piège ailleurs. Oui, mais c'est pas grave. Il vaut mieux prendre un joker. C'est pas une association, c'est important. Voilà. Ouais, est-ce que ça peut être dans des harpes du vent, par exemple, au lieu de lait? Est-ce que ça peut être autre chose c'est que vrai, le vent? C'est vrai, c'est vrai, complètement. On va prendre le numéro 3, s'il vous plaît. Numéro 3. Voilà. On bloque. Je stocke là. Ah, alors, taille, taille, attention, hein. Alors. Tu es le messie de la télévision. Ok, bah, Sophia, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on peut bloquer. Eh bah, ben, alors, bloquons. Quoi? Les paroles. Ah, bah, voilà. Est-ce que c'est ça? Mais oui, très bien. Et tu avais les bonnes paroles, tu dois te faire un peu plus confiance. Oui, c'est ça, ouais, c'est tu avais les confiance. Bonnes paroles. Avant d'aller plus loin et de préciser quand même qu'ils sont là pour cette association Les Souffles de l'Espoir, pour aider les enfants atteints de mucoviscidose, il y en a 200, c'est ça, par an, d'enfants qui naissent atteints de cette maladie, ouais. Qui atteint le souffle. Alors quel est le principe de dire, vous ne savez peut-être pas pourquoi vous courez, mais nous oui. C'est de récolter de l'argent. Au moment où de faire des jogging, c'est un rapport avec... C'est bien ça sûr, bien sûr, complètement. Déjà, c'est de l'entraide, c'est de la solidarité. Et puis, à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui sont organisées pour récolter de l'argent et faire avancer argent, les choses. Et cet argent sert à quoi? La recherche? La recherche, les médicaments, les machines, l'aide, évidemment. C'est très beau. C'est... Si vous voulez l'adresse, si vous voulez vous aussi faire directement un don, n'oubliez pas qu'il y a toujours 60% déductible de votre feuille d'impôt. Voici l'adresse, les souffles de l'espoir, marrainée par ce soir Sophia et Saïdi. Et depuis 10 ans. Par Harry, habitant depuis 10 ans. Oui, oui, je suis marraine depuis 10 ans. Ouais. Félicitations. Ouais. Moi, je suis papa depuis 13 ans, j'ai 3 ans. Hein, pas du tout. Il s'en fout. Ouais. Pour 10 000 euros, Je l'aime le lundi, Candice années 70, Lara Fabian, Comment te dire adieu ou Barbardo. Les années 70. Les voici.
Candice, des années 70. Comme ils disent, Charles Aznavour, ou dis-lui My Brown Feelings. Aznavour, hein. Aznavour. Ouais, Aznavour. Le grand Charles. Il y a 6 mots à retrouver. Oulala. 6 paroles. Ça devient sérieux, d'autant qu'il chante pour 10 000 euros, qui ferait évidemment énormément de bien à cette association, Les Souffles de l'Espoir. En plus, on est d'autant plus fiers que parmi nos musiciens, il y a Magali qui a été en tournée avec Charles Aznavour. C'est le petit clin d'œil qu'on fait au grand Charles. Comme ils disent, c'est parti, Dibilo. Comme d'habitude. Non, c'est pas non, ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Merde. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Rue Sarrazate, j'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit. Je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, oh, comme ils disent. C'est pas fini, c'est pas fini. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie. C'est ça, on s'en donne à cœur joie, c'est sûr. Mais évidemment, j'ai envie de partir maintenant. Et là, on s'en donne à cœur joie. Ah, il manque 3 mots. Ah ouais, et sans complexe. C'est quoi juste avant? C'est quoi les... Deux minutes, arrête de parler. De toute façon, il faut que je me concentre. Attention, j'ai très peur. Apparemment, on vous a mis sur attente au standard. Oui, complètement. Attendez, vous avez... Attends. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités. Sur ma vie. Qu'on a dans le nez. Écoute, tu sais quoi? Quoi? Attends. Ne dis pas. Il est flippé maintenant, là-haut. Hein. T'as peur, hein? Imagine, c'est pas ça. Au pire des cas, vous retombez, pire des cas vous retombez, on part de 1500. Vous retombez à 2500. Ouais. Et puis de toute manière, je vais te dire quelque chose, je pense que c'est ça. Ok, voilà. Alors on va. C'est-à-dire, si je me trompe, c'est on n'importe bloque, quoi, ce on que bloque, je viens de dire. On bloque. Voilà, oui, on voilà. Dis-le. J'arrive pas à le dire. Oh, le courageux. On bloque, hein, on bloque. Oui, on bloque les paroles. Bon, parce que je vais faire la danse du bassin. Et ou là, pas on s'en donne. À cœur joie et sans complexe. Ce qui est bizarre, c'est que vous avez là à la fois sûr de vous et en même temps frileux. C'est juste pour le sans complexe, à cœur oui, joie, moi j'en suis sûr. Oui, moi je suis pas à 100% c'est sûr. C'est le sans complexe qui me... Tu et vois sans complexe... Ah, j'ai failli me casser une canine avec attends, le micro. J'ai... C'est faux. Non, c'est pas ça. Non. Ah, il est en suspense. Non, on a faux là. On a non, faux. On a pas non. faux du tout. Il est en suspense parce tout, que je vais t'expliquer. On a tout vérifié sauf le et. Sauf le et. Il est parti manger. Non, il revient après le et. Est-ce que. Et voilà quoi, il attend. Est-ce que ça peut être autre chose que et? Ça peut être mais. Ah, mais sans complexe. Ah ouais. Ah. Et là, on s'en donne à cœur joie. Et sans complexe. Mais sans complexe. Mais sans complexe. Non, moi je dirais. Et... Oui. 10 000 euros. Ça c'est fait, ça c'est bien. Parfait. The long sound of the long dance. Again, long land of the long in the dust. Again, dance, hang it on the round knee. It ain't a young song, young, go, go, go. Don't
like a marble loose way shoe. Make it again, a little bit. Little home, a marble loose way shoe. Right there! Heureusement que tu as. Je vais me tenir comme ça toute l'émission. Non, heureusement que tu as chanté parce que au début tu t'es tenu comme ça. Je me suis dit t'as une irritation. Non, pas du tout. C'est comme ça. Maintenant j'ai fini l'émission comme ça. Je suis prêt à faire un rock toutes les deux secondes. 20 000 euros sur Je l'aime le lundi, Lara Fabian, Comment te dire adieu, Barbardo. Pendant que vous réfléchissez, moi je vous propose, par exemple, de jeter un œil sur l'excellent spectacle d'Harry Habitant. En voici un extrait. Michel Varuc, dramaturge de la Comédie Française, bonsoir. Alors, je sors à peine du théâtre et j'ai été invité à la centième de cette pièce dont tout le monde parle. Ça s'appelle « Les vestiges du mécréant de l'âme humaine ». Comment vous parlez de cette pièce ? Une merde. C'est pourtant une pièce de Frédéric Picanlarche, adaptée par Corinne Touffel avec Julien Clumauge, Dominique Plérovier, Quentin Purtemps, Sylvie Crépentu, Férico Cagnon, Lucien Maffa, Charlie Botedo, Jean-Yves Bastule, Dimitri Danflan, Éric Pataflat, Sarah Gouranvier, Jean-Yves Bastafule, enfin, des acteurs mondialement inconnus. Excellentissime spectacle. Excellentissime merci, spectacle, Sophia, vraiment. Merci beaucoup. À la folie, passionnément, comme tout ce que fait d'ailleurs dans la vie Harry Habitant, et tout aussi merci, passionné Nick. Et passionnant d'ailleurs. Il y a ce livre, et j'ai le privilège d'être pour une fois dans ma vie à côté de Sophia et Saïdi dans ce bouquin, parce que c'est un livre dont on voulait parler aussi bien toi comme moi, c'est pour une bonne cause. Voilà, ça s'appelle Souvenir, Souvenir. C'est Didier Hautebert qui a eu la bonne idée de nous poser des questions sur des souvenirs que nous avions. C'est la Fondation Pompidou, et voilà, et de penser aussi à ceux qui perdent la mémoire, la maladie d'Alzheimer. Donc il y a plein de stars. Je vois qu'il y a Patricia Cass, M. Pokora. Il y a des histoires croustillantes, c'est vraiment bien. C'est un très très beau livre. Et puis, on est bien entouré. Emmanuel Béard, Frédéric Bell, François Berléand, Carole Bouquet, enfin voilà. Claudia Cardinal, c'est pour un joli geste. Et puisqu'il y a souvenir, souvenir et qu'on est dans N'oubliez pas les paroles, restons aussi avec non pas l'oubli, mais il ne faut pas oublier Unforgettable. C'est ce qu'elle chante, Sophia, là-dessus. Unforgettable, that's what you are. Vas-y, chante, chante. Unforgettable. On est dans les années 50, tout ce qui est crooner. Et comment veux-tu garder ton calme aussi? C'est pas possible. Je suis d'accord avec toi, c'est extraordinaire. Quelle voix douce. Je suis très contente de faire partie de ce projet parce que c'est un projet qui défend le jazz, le blues, les belles chansons, les crooners. Les racines. C'est ça. Et moi, j'adore ça. Donc je suis très, 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 très contente que cet album soit sorti déjà depuis quelques temps. Absolument. Il est déjà sorti depuis un mois. Bonne idée de cadeau. Le DVD d'Harry accompagné du CD. De cette compil Forever Gentleman où figurent Sophia et Saïdi, entre autres. Alors, voilà, pour 20 000 euros, vous avez eu le temps de réfléchir. Il faut voir Taratata sur Internet. Non, ça aussi, très important. Vous avez 20 000 euros, peut-être, si vous trouvez les paroles de Je l'aime le lundi, Lara Fabian, Comment te dire adieu, ou Barbardo. Là, c'est délicat, le choix est délicat. Bon, écoute, mais si c'est délicat, on va prendre le Je l'aime le lundi. Allez. Alors, soit Je l'aime à mourir de Cabrel, soit Ce lundi de Jess Garonne. Là, on est sur 20 000 euros. Hein. Ouais, je sais, mais moi je n'étais rien, mais voilà. Hein ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Cabrel, ils veulent entendre Cabrel ? Vous voulez entendre Cabrel ? Et ben le voilà ! On est... Et qui part en vrille. J'adorerais. Je l'aime à mourir ou Ce lundi. Laquelle... Ok, bah alors c'est parti pour Francis Cabrel. Ouais. Il y a 9 paroles à retrouver, c'est écrit là. Pour 20 000 euros, il chante pour les souffles de l'espoir, Sophia et Saïdi, Harry Habitant, messieurs. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a
gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle a fait des forêts qu'elle dessine, je l'aime à mourir. Ah, j'ai pas tout compris, j'ai entendu. Ouais. Oh, non, non, non. T'as pas entendu, mais je le répète pas. Moi, je l'ai dit une fois, tu le notes et c'est non, tout. Non, non, il y a eu un yaourt là. Il faut suivre, Nagui, il faut suivre. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. J'ai entendu forêt. Des forêts qu'elle dessine. Alors, commençons par la fin. Les derniers mots seraient des forêts qu'elle dessine. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime à mourir. Qu'est-ce que tu viens de dire là ? Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle court au milieu. La maladie. Elle court au milieu des forêts qu'elle dessine. Elle danse, Marie. Est-ce que si on prend les trois phrases, est-ce que tu sauras reconnaître la phrase ? Moi, j'hésite juste sur cours ou danse. Donc, tu m'aides sur cours ou danse. Et le reste, je prends sur les épaules. J'assume. Sérieux ? J'assume. Ok, alors je pense que c'est elle danse, alors. Moi, je pense. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Moi aussi, je pense. Ok, alors tu lui dis au monsieur qui bloque. Là. De l'ordinateur. Voilà. C'est vrai ? Mais des gens qui bloquent. Il faut être sûr, Ah, il faut être sûr, sinon vous retombez à 2500 euros. Écoute, tu sais quoi ? À un moment donné, il faut prendre des risques dans donc la on vie. On y va ? Et on va dire une chose, et je vais prendre le risque à ta place. Imagine, c'est quel pas homme ça. On descend à 2500. Si c'est pas ça ? Et je vais te dire, nous bloquons les paroles. Oh voilà. Voilà. Arrêtez d'applaudir par contre 2 minutes parce que je frise. Là, il y a le stress. Voilà, okay. Il faut vite qu'on ait tout de suite la réponse. En même temps, il y avait des jokers, vous auriez pu être. Oui, non, mais alors maintenant, d'accord. Alors maintenant, non, tu vas nous dire pas tout ça ce qu'on aurait pu faire. En même temps, vous êtes quand même cons, quoi, parce que là, on était à 2 minutes, hein. Quand même les clés de chez Gégène, bon. Bon. Qu'est-ce que c'est ? Oh là là, et on fait suspense encore, c'est ça ? Eh oui, c'est ça. Ouais. Tout est bon, on n'a pas encore vérifié dans. Toi, t'avais dit elle court. Hein. Moi, j'avais dit elle court. Ouais, mais je pense que c'est elle court. Ouais. Arrête de dire des choses comme ça. On a oui, non, mais voilà. Non, je sais pas. Allez, Sophia. Allez. On se tient la main et on attend. Ouais, 20 000 euros pour les souffles de l'espoir. Tant qu'ils n'ont pas bloqué à tort, ils ont cette somme. Et pourquoi pas 35 000 euros. Oh mais c'est génial. Génial. Lara Fabian, comment te dire adieu ou Barbardo? Barbardo? Tu connais un peu Bardo? Oui, comme tout le monde. Allez, Barbardo, pourquoi pas. Allez, allons-y. L'aigle noir, Barbara, ou tu veux pas de Brigitte. Ouais, c'est génial. Tu veux ou tu veux pas. Tu veux ça? Oui, je veux ça. Ou tu veux pas. Comme tu veux. Tu veux ou tu veux pas. Voilà. Donc c'est toi qui vois. C'est toi qui décide, moi. C'est toi qui dis. Parce que si tu veux pas. Si toi aussi, si tu veux pas, on prend pas. J'en ferai pas une maladie. C'est toi qui me dis si tu veux ou pas. Comme tu veux. Tu veux ou tu veux pas. C'est pas et toi? Eh ben moi je veux. Tu veux ou tu veux pas. Il nous a quand même, dans ce dialogue improvisé, shooté les paroles de la chanson. Donc tu sembles bien la tenir. Je pense la tenir pas complètement, mais je pense la tenir légèrement. Non, je parle de la chanson. Ah non, bah alors non. 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 Là, je dis non. L'aigle noir. Tu connais bien l'aigle noir ? Bah écoute, l'aigle noir, je l'ai chanté il n'y a pas très très longtemps. Ça peut aider. Attention, ça peut aider, ça peut tout changer. J'avais un prompteur. Mais est-ce que tu te souviens avoir regardé beaucoup le prompteur quand tu l'as chanté ? Alors écoute. Ça rassure. Prompteur. Ça rassure. J'apprends toujours les paroles, mais ça rassure. D'accord. Essayez l'une, essayez l'autre. Il y a le switch. Et on commence par l'aigle noir et on switch, ça va pas ? Alors très bien, on commence par tu veux ou tu veux pas et on switch sur l'aigle noir.
quelle élégance, quelle... Voilà, moi c'est le charme à la française, j'ai envie de dire. C'est ça. Hein? C'est beau, c'est beau. Mais non, parce que je. Parce que... Tu veux ou tu veux pas? Ouais, j'aime bien. Tu sais, allez, hey, tu veux ou tu veux pas? Allons au bout de la vanne. Laisse-le. Laisse-le. Non, mais il y a le switch, ça va. Évidemment, allez, tu veux ou tu veux pas? Il y a quand même 10 mots. Il va falloir que monsieur Harry Habitant assume ses erreurs. Ah, 10 mots, c'est en beaucoup, espérant, hein, qu'il n'y ait pas d'erreur. 10 mots pour 35 000 euros. Faites du bruit! Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. Tu veux pas. Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir ou blanc, mais si c'est blanc, c'est blanc. Noir ou blanc, mais si c'est blanc, c'est blanc, d'accord? Ok. Ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, c'est comme une gymnastique. C'est comme la musique. Y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique. Pourquoi tu te la compliques? Par des hésitations. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. La vie, elle est peut-être très douce. Alors là... Mais alors déjà en plus, Sophia est beaucoup trop jeune pour avoir connu et chanté cette chanson, même si elle adore les standards de jazz, des belles années comme on dit, et des grandes années. Mais là, celle-là, c'est costaud quand même pour connaître, non ? C'est très costaud, mais c'est vrai que le refrain me paraissait tellement énorme que parfois tu te laisses à la tentation de... À 35 000 euros, c'est jamais le refrain. C'est vrai, mais en même temps, il y a le switch, donc je suis tellement détendu. Non, que tu la pousses, complètement, donc Sophia. Il n'y a rien qui vient là. Ok, très bien. Et eh ben alors, switchons tout de suite. Hein. Allez, on switch. On regarde la bonne réponse déjà avant de switcher. Il ouais, y a la pousse. Et sais. Sophia était pas loin. Ouais, ouais. À condition que tu la pousses dans la bonne direction. Mais il manquait beaucoup de mots. Ouais, ouais, il manquait beaucoup. Tu vois, on aurait Allez, on oublie. C'est parti. Voilà, c'est pas. Un aigle noir. Tu veux ou tu veux pas. Le mec n'a pas compris. Non, tu veux ou tu veux pas. Non, c'est un aigle noir. On ne dit pas un aigle noir, on dit un oiseau de couleur. Avec ses 35 000 euros à la clé, Sophia et Saïdi va vous donner la chair de poule, puisqu'on est dans les oiseaux et les gallinacés. Il y a 10 mots cette fois-ci à trouver. 10 mots. Quoi, me regarde pas à moi, tu la connais, t'inquiète pas. C'est allez, parti, on l'encourage, faites du bruit pour Sophia. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur. C'est un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. De son nain, il a donné.
très bien. De sa joue, ça c'est très bien, mais c'est pas bien articulé. J'ai pas tout compris là dans le. C'est comme très tout bien. À l'heure, c'est comme extrêmement tout à l'heure. Bien chanté. Non, bravo, Sophia. Super bien chanté. Et même pour le Joker, parce que. De son bec, si on... il a touché ma joue. Oh là là, c'est pas possible. Attends, attends, attends. De son bec, il a touché ma joue. De son. Il y a front. Alors attends, alors justement, il y a des jokers pour vous aider avant de partir sur le joker. Je le dis chaque fois que cette chanson est chantée dans cette émission, vu le sujet et le thème de cette chanson et vu l'histoire qu'elle raconte. Les enfants, vous qui aimez cette émission, vous qui la regardez, si qui que ce soit autour de vous, si qui que ce soit a un geste inapproprié que vous n'acceptez pas et que vous refusez, dites-le, il faut parler. Après ça se réglera, mais dites-le, voilà, ne vous laissez pas faire, c'est important. De son bec, il a touché. Alors, un joker. Il a... De son front ? Non, c'est, non il a pas je sais pas, non, front, je, pas j'essaie d'entendre. Le... S'il a, il a un front, il a un front. Il a un front. Le... Il a un front. L'aigle. De son bec, il a touché ma joue. Écoute, si on a ça, on peut prendre le joker des trois phrases. On va prendre peut-être un... en voyant. Ouais, ouais, ah, oui, oui, ça c'est très bien. Très joker, bien. Alors. Très bien. Demande-moi si t'as besoin. Allez, ok, d'accord. Voilà, c'est très bien. Il y a ma joue, donc c'est ma super, joue. C'est ça. Voilà. Il a... Dans ma main, il a glissé son cou. Très bien, ça. Ah oui, ou ça. Alors, ma main sur mon corps, il a posé le sien. Pas bah, du tout. Mon corps de son aile, il a séché mes pleurs. Pas du tout. Pas du tout. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. Voilà, c'est tout. C'est ça, hein. Bah, évidemment. Ça sonne, toutes les façons, t'as dit ma joue, donc c'est sûr que c'est ça. Ça sonne. Mais évidemment. Ma main, il a... C'est ça, je bloque. Un. Quoi ? Les paroles. Ah, attends, ma joue dans ma main. C'est pas nous, c'est pas nous. C'est eux qui ont mis la phrase. 35 000 euros pour l'association défendue par Sophia et Saïdi et à réhabitant les souffles de l'espoir. Oui ! Oh là là, oh là là, ça sent la chanson à 100 000 tout ça. Magnifique, bravo. Maintenant pour 50 000 euros, il vous reste Élodie et Jimmy pour vous aider, soit sur Lara Fabian, soit sur Comment te dire adieu. On a, ah, apparemment tu as une crise, oui, dès qu'on une irritation à nous. Dépasse un palier, je voilà. Là, je pense que ça peut être le moment de prendre Lara Fabian. Allez. Mais oui, bien Lara sûr, Fabian. Lara Fabian. Mais oui. Moi, je, connais, Je t'aime, Lara Fabian, ou j'y crois encore, de la même Lara. Je t'aime. Oula. Non, 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 c'est un titre. C'est un titre de chanson. C'est un titre de chanson. Viens, viens, je te protège. Non, non, c'est un titre de chanson, monsieur. Monsieur, je vous demande de rester à distance, monsieur. D'accord. Je t'aime. Bah, je allez. T'aime. Allez, moi aussi. Voilà, allons, c'est parti. On s'aime. 9 mots pour 50 000 euros. Et de toute manière, Élodie ou Jimmy seront là pour les aider. Faites du bruit. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner. Les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait. Presque comme une mère, tu me bordais, me protéger. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais. Je t'aime, je t'aime.
tous mes sourires, tous mes secrets. Elle a bien chanté, mais on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Mais oui, mais on s'en fout, c'est bien. Est-ce que, comme vous ne pourrez pas les appeler pour la chanson à 100 000, si vous tentez la chanson à 100 000, voulez-vous demander soit à Elodie, soit à Jimmy de vous rassurer sur ces paroles? Ah, Elodie, évidemment, ou Jimmy, bien sûr. Qui des deux? Qui des deux? On va demander à Elodie. Allez, venez. Il est... C'est parce qu'il est galant, Jimmy. Hein. C'est pas pour autant. Juste pour ça, exactement. Mettez-vous entre les deux. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets. C'est Pensez-vous génial. Elodie, que ce soit les bonnes paroles, ou y a-t-il une nuance qu'il faut rectifier? Non. C'est vrai? Je l'ai chanté avec Sophia de là-bas. Et... C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Sans débat? Certaines. Je suis content. Ça fait combien de temps qu'on est? J'ai l'impression d'être là depuis début janvier. C'est fou quand même, non? Non, mais sérieux! Dagui, ça te fait quel âge depuis le début de l'émission alors? Mais 100, c'est incroyable! 108 ans! Sophia, ça fait longtemps qu'on est là! Est-ce que vous bloquez ces paroles ou vous voulez vous changer? On bloque. Ah, on bloque! Ah oui! Tu me tomber sur tomber secret, je bloque les paroles! C'est extraordinaire! C'est-à-dire que là, si on gagne, on a gagné 50 000 euros pour l'association, c'est ça? Hein, ouais. Oui, c'est ça. 50 000 euros, vous avez dit. D'accord, je t'ai. D'accord, je t'ai confié. Tous mes sourires. Je t'ai confié tous mes sourires. Je t'ai confié tous mes sourires, tous mes. Secrets. 50 000 euros ou 2 500 euros. Sérieux? C'est sérieux. C'est sérieux, Nagui, là, tu parles sérieusement? Si on perd, on redescend en 2005. Non, mais c'est fou, quoi. 50 000 euros sur un secret. Pour un pour secret, un secret. Pour plusieurs secrets. Oui, ouais. 50 000 euros. C'est génial. Merci Jimmy. Merci Jimmy. Merci Elodie. Merci Jimmy. Merci beaucoup Elodie. D'avoir merci. Rassuré tout le monde. Moi j'ai rien fait. Merci vous beaucoup. Avez tout fait, ces vainqueurs dans N'oubliez pas les paroles sont venus bénévolement aider nos candidats. Merci. Sophia et Saïdi et Harry Habitant ont permis pour l'instant. C'est extraordinaire. Attendez, c'est pas génial. Vous avez permis. Éventuellement, si vous vous arrêtez maintenant, vous êtes sûr de donner évidemment 50 000 euros à l'association. Si vous tentez la chanson à 100 000, une seule et unique chanson, pas de choix, vous ne pouvez pas dire on essaye pas. Dès l'instant, vous dites on y va. Non seulement vous êtes obligé de la chanter, mais vous serez obligé de bloquer les paroles. Si vous vous trompez, si vous ne savez pas, vous redescendez à 20 000 euros. Cette chanson à 100 000 a déjà été trois fois, je crois, dans l'histoire de ses primes, déjà remportée et gagnée. On se souvient de Gilbert Montagnier, d'Élodie Frégé. Oui, oui, absolument. Arnaud Gidoin avec L'Aigle Noir et Élodie Frégé avait remporté les 100 000 euros. Mais là... Moi, j'aurais envie de jouer. J'aurais envie d'aller parce que je suis très joueuse. Mais moi, je pense à mon association et je pense qu'un chèque de 50 000 euros, c'est énorme pour une association. On ne se rend pas compte, c'est énorme c'est pour énorme. Eux. C'est énorme. Donc, évidemment, je rêverais qu'ils puissent avoir 100 000. Ce serait... Mais, tu sais quoi? Je te propose de revenir une deuxième fois pour regagner 50 000. Avec grand plaisir. C'est peut-être plus rassurant, non? On ne peut vraiment pas savoir, évidemment. Si. Non, la chanson... Non, si tu dis on arrête, je te le dis après ce que c'était. Et si je la connais par cœur, là, je mais je mais tu peux pas, tu connais pas par cœur. Même tes chansons, des fois, tu regardes le prompteur. C'est vrai, t'as raison. Donc, c'est vrai. Ça m'angoisse. Ce serait pour moi, évidemment, j'irai tout de suite. Mais là, c'est pour eux et j'ai pas envie de me dire même que... Même pour moi, j'aurais pris déjà 20 000, moi, je me serais barré, donc... Non, bah bon, moi, je me serais arrêté depuis longtemps. Hein. On s'arrête là, hein. Ouais, on s'arrête là. Là. On s'arrête là. Les souffles de l'espoir. 50 000 euros pour les souffles de l'espoir. Je grâce suis aux anges. Merci pour eux. Vraiment, Sophia merci pour eux. Et Harry Habitant, messieurs dames. Est-ce que je remue le couteau dans la plaie en vous montrant la chanson à 100 000 ou ouais. Non ouais, vas-y. De toutes les façons, ouais. Alors, on la vas-y. Découpe.
100 000 euros pour le jerk. Oh là là, heureusement, 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 tu vois. Pas oh, de regret, mais oh, c'est, sage, c'est parfait. 50 000 euros. Ça fait bruit. Ciao, allez, bravo. Je rappelle le DVD d'Ariel Habitant, le CD de Sophia et Saïdi, Unforgettable, et puis Souvenir, Souvenir, le livre avec tous les souvenirs pour la Fondation Pompidou. Merci Ari, on se revoit très bientôt. Avec plaisir. Quant à Sophia, je vais te rappeler, il n'y a pas de problème.